Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Nous sommes ici présents ce soir, c'est pour procéder à l'installation de nouvel inspecteur général en chef en remplacement de l'inspecteur général Hervé Julien. Et c'est un changement qui intervient dans le cadre de la rotation obligatoire de l'institution et également dans l'esprit de faire bénéficier par l'institution de l'expertise et des expériences de tous ces cadres, et c'est le Premier ministre qui va nous faire l'honneur de présider la cérémonie. Sans trop tarder, je me fais le privilège d'introduire à ce microphone Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur Léon Charles. C'est un moment difficile que traverse l'institution policière, le commandement a décidé de faire des changements au sein du haut état-major afin que l'institution policière soit en mesure de répondre valablement aux exigences du moment. C'est en ce sens qu'après avoir eu une entrevue avec notre collègue Hervé Julien, je lui ai fait part de la situation, il a compris et il a accepté et il nous a suggéré de faire choix de l'inspecteur général en chef Franz Jean-François pour le remplacer. Je dis à pays à qu'on est encore en l'autre journée fait noir. Qui blaye la honte nan figu tout haïtien, tout moun ki respecte tèt yo. Paske kote gen moun civilize, kek moun ki rele tèt yo polisye, yo krasé, yo boulé, yo pye bien l'état à l'autre citoyen, que la police la même t'a doué travail pour protéger. Depuis les mouvements dans tête gouvernement, moi pas suspend travail pour lever ce camp fidi la police là. Et pour offrir aux policiers puis bon conditions de travail avec moyens tout petits que l'État gagne. Nous conscients que nous avons supposé faire plus de bagailles toujours pour les policiers. Mais malheureusement, à cause de crasés brisés qui gagnent dans le pays loc, coronavirus, avec l'autre difficulté économique, le gouvernement n'a pas de moyen pour lui donner satisfaction à toute revendication qui gisse à la police là. Et ce n'est pas la police là seulement dans une situation difficile. Nous avons un docteur qui a touché un petit monnaie et qui travaille dans des conditions difficiles. Nous avons tout le travail et la santé en général. Ça veut dire infirmiers, auxiliaires, brancardiers, des docteurs, des spécialités,
l'État pour que même capable de payer au salaire que vous méritez avec l'autre avantage sociaux que nous avons eu, professeurs, à toute l'autre catégorie professionnelle qui ne pas suspendre réclamer plus bonnes conditions de travail, à plus bon traitement dans le salaire, à l'avantage que nous avons eu, avec privilège tout que vous avez droit à eux. Je dis à m'a fait un appel au calme. Parce que nous pas doué tolérer vagabonds, terroristes, bandits qui prend uniforme la police yo met sou yo pour prendre pays en otage. Parce que m'pas ka imaginer que ça moi qui a fait là, c'est la police nationale, pas nous qui a fait ça. Quel que soit le jour où nous racontons ça, ou expliquer ni m'a compris. Faut que tout bandit, à quel que soit la couleur qui sous eux, faut qu'il y ait un bac. Et nous devons travailler pour ça. Le pays a besoin d'une administration police qui est fonctionnelle. Des policiers qui non seulement comprennent, mais qui respectent tout serment qui a été fait pour les protéger et servir la population qui est sortie là-dedans. M'a profité de présence pour m'annoncer ou présenter ou en attendant que nous fait passation de pouvoir d'autres cadres de la police nationale qui va occuper l'autre poste tant que directeur central de la police administrative commissaire divisionnaire Marc Justin. Commissaire divisionnaire Joseph, I'm sorry, je suis dans le passé. Joseph Jean-Marie, l'inspecteur général Joseph Jean-Marie Wagnac, comme directeur central de l'administration et des services généraux. Merci. On a avec nous aussi l'inspecteur général Karl-Henri Boucher, qui va occuper le poste de directeur des renseignements généraux et coordonnateur des directions départementales. On a avec nous aussi l'inspecteur général Muscadet, Jean-Yves, qui va, il vient de laisser la direction des services généraux. Il va occuper le poste de directeur de l'Académie nationale. Et on a avec aussi, l'inspecteur général Berson Soljour qui vient de quitter la direction centrale de la police administrative. Il va occuper le poste d'inspecteur général à l'inspection générale. Les autres commissaires, nous avons aussi fait des changements. Il y a aussi le commissaire divisionnaire Alexis Junior, qui va occuper le poste d'assistant du DRG, la direction centrale des renseignements généraux. On a aussi procédé, il y a le commissaire principal de Pétionville, qui n'est pas repris, il est en opération. Je profite de cette minute pour me présenter félicitations au commissaire principal Ménard, qui a eu aujourd'hui un comportement exemplaire. Il a su stopper la progression des soi-disant policiers révoqués,
des hommes qui, quelque temps, sèment la terreur, le commissaire Ménard a cette armée de courage pour les empêcher de monter à Pèlerin et provoquer beaucoup plus de désastres. C'est en ce sens, pour l'honorer de cet acte important, plein de fierté, il a été promu directeur départemental de l'Ouest. Il aura à couvrir tous les commissariats d'arrondissement afin de freiner l'expansion de ce mouvement crapuleux qui tient en otage la population. Et je vous donne la garantie, monsieur le Premier ministre, qu'à partir de 7 minutes, nous allons prendre des dispositions pour que la police, la majorité saine de la police nationale, prenne des dispositions pour que dès demain, la ville, la sécurité, la présence policière soit renforcée à travers la zone métropolitaine. Bon, nous-mêmes, nous travaillons sur l'amendement constitution, parce que nous pensons que la constitution 87 là, elle est arrivée dans le bout. Il fait chemin, il est arrivé dans le bout. Il faut que nous t'ayons changé tout ça qui était droit changé, tout ça qui n'est pas appliqué dans la Constitution, tout ça qui était mal appliqué dans la Constitution, nous t'ayons décidé dans la commission d'amendement pour nous changer. Par exemple, et nous t'ayons ouais, que système Premier ministre avec président n'est pas de marché. Nous t'ayons essayé de mettre un nouveau système dans l'amendement. Et question pour nous un président qui travaille avec Colistieli pendant la campagne là, pour un programme que nous venons appliquer. En ce sens que nous pas de voulu que. On moun ou vin président pendant 5 ans pour gen 5 à 6 premiers ministres qui passaient, qui viennent en charge et qui trop lou sous dos et budget pays. Donc nous travaillons dans ce sens. Nous travaillons tout que des institutions qui pas utilisées, qui étaient obsolètes pour compte en la Constitution 87 là pour nous, si on t'a retiré, par exemple, pile assemblée inter et départementale qui n'est pas jamais appliqué. Donc c'est des bagailles que nous pensons pour retirer en la Constitution. Aujourd'hui, débat changé phase et débat vient vers une nouvelle constitution. Moi, je pensais que Jean nous t'ai pensé depuis le début, nouvelle constitution là bon. Travail les forces vives de la nation bien pour faire. Et sous l'égide de commission ça qui est créée et pour réfléchir sur la question de la constitution. Je pense que c'est son travail qui est important. Son travail qui est important. Et nous pourrons le résultat, c'est l'œil arrivé. Et abouti avec des changements en dedans et nouvelle constitution, ça, qui pourrait le permettre que démocratie fonctionne en l'autre gens, qui pourrait le permettre que pays fonctionne en l'autre gens. Moi, je pense que question constitution en cap débat de journée aujourd'hui, nouvelle constitution, sont questions qui très très importantes et journée aujourd'hui, il faut que nous aboutissions à changement ça pour permettre que démocratie vienne en l'autre gens dans le pays, pour permettre que démocratie établit en l'autre pays. C'est ça qu'il faut que nous-mêmes, en dans et groupe ancien parlementaire pour l'équilibre et la stabilité politique du pays. Donc nous-mêmes, nous avancer dans le sens nouvelle constitution, hein, dans le sens en constitution qui pourrait permettre que tenir compte de toutes les désidérata peuple haïtien en nouvelle constitution qui pourrait le camper image ça nous-mêmes dans la population, hein, nous voulons pour pays. Hein. Insécurité, hein, moi-même toujours dit en tant que professeur de droit pénal spécial, criminalité, hein, sous pas essayer. Estomper le soupa, arrêter le pendant un certain moment, lui-même l'a envahi. Ah ben, journée aujourd'hui, hein, faut autorité responsable de sécurité en un pays après responsabilité. C'est-à-dire que ce soit au niveau du ministère de la Justice, parce que pas oublier que le ministère de la Justice coiffé et autorité de police, parce que la police dépend du ministère de la Justice. Donc, faut que le ministère de la Justice avec et l'autre institution qui formait et ça nous les CSPN, faut CSPN essayer de gagner de nouvelles stratégies pour essayer de mater et question insécurité en pays. Parce que je vous dis, hein, pas de côtoyer en un pays pour avoir en insécurité, même là où en insécurité. Donc même pas c'est un travail d'éducation pour faire tout. Parce que il y a des gens qui n'ont pas ta pensée qui nourrit insécurité. Ils nourrissent insécurité
parce que l'insécurité a allé dans l'avantage. Par exemple, un jeune garçon aujourd'hui qui voit que dans la question kidnapping, valait l'argent l'a fait, si l'État a mal laissé aller pour le faire, eh ben, je ne suis pas jamais le travail encore dans la ville. Non. Moi, je pense qu'il faut renforcer la justice, renforcer la police, impliquer force spécialisée policière dans le combat insécurité, y compris nouvelle force armée. Parce que 16 000 policiers ne sont pas capables de combattre effectivement l'insécurité à un niveau côté le rivet, je vous dis. Moi, je pense que après démonstration que nous avons gagné de nouvelle armée d'Haïti à 18 novembre, il faut commencer un dialogue entre l'armée et la police, qui c'est deux forces qui prévoient en la Constitution, pour être qu'ils soient capables de faire répartition de tâches là pour arriver et mater l'insécurité à cap monter chaque jour plus. Parce que n'importe groupe d'individus érigés tête en chef de gang, ils prennent une zone pour eux, que ce soit au niveau de l'Artibonite, au niveau de Port-au-Prince, au niveau de Gantier, Tomazo, chaque monde décide de c'est le chef de zone. Eh bien, côté l'État, côté la policier, côté la médaille, c'est que dans chaque pays qui respecte les têtes, il y a des institutions qui sont responsables question de sécurité. Parce que, aujourd'hui, nous faisons un DGPNH tout neuf, il faut qu'il y ait des séances et de CSPN qui fait sous de nouvelles stratégies que vous pouvez mettre sous pied pour combattre l'insécurité en un pays. Parce que l'impératif, l'important que toute jeunesse-là, parce que, ouais, qui a jeté, quitté le pays hein, à cause de l'insécurité, mais là, quitté le pays, hein, qui est-ce qui peut arrêter en un pays hein? Parce que, aujourd'hui, il faut essayer de travailler pour permettre que le pays d'Haïti retourne un pays vivable pour tout le monde, pour toute petite li, capable de vivre, réfléchir à vivre en un pays. Insécurité, nous pas d'accord, nous dit non à l'insécurité, mais pour cela, il faut que toute institution qui est impliquée dans le problème, ça, résoudre le problème, ça, pour débrouiller, pour mettre Jean-Jacques, pour permettre que l'insécurité disparaisse en un pays. Les mineurs constituent la catégorie la plus vulnérable de la population carcérale. Dès lors, ils ont énormément besoin de cette solidarité afin de purger leur peine dans des conditions optimales spéciales. Depuis quelques années, la DAP peut se féliciter d'avoir fait du Sermicol un centre de détention parmi les trois autres qui ont réussi les épreuves de certification en 2019. Signalons en passant que la prison civile de Fort-Liberté 2, la prison des femmes de Cabaret et la prison civile de la Croix-des-Bouquets sont décertifiées suite à une évaluation de la Minijus. Ces prisons ont réussi toutes les conditions leur permettant de satisfaire aux critères de sécurité, d'administration, des conditions de détention, de réinsertion et du cadre normatif. Aujourd'hui, grâce à un staff dynamique, multidisciplinaire en place, les enfants de Sermicol et de Cabaret bénéficient d'un programme de prise en charge et de scolarisation très efficace. Des écoles fondamentales fonctionnent régulièrement à Sermicol et à Cabaret. Et les résultats obtenus lors des examens officiels témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé et de la compétence des professeurs. En conformité avec l'article 267-2 de la Constitution, Haïti se trouve dans l'obligation de mettre en œuvre toutes les politiques publiques en matière de droits de l'enfant afin de garantir aux enfants la jouissance de tous leurs droits, y compris le droit à la justice. Je voudrais saluer les efforts de la direction de l'administration pénitentiaire qui a fait aujourd'hui de ce centre, je peux dire, un modèle. Un modèle en matière d'accueil, en matière de traitement. Mais, toutefois, il y a d'autres acteurs importants
qui doivent prendre leurs responsabilités. La justice, en principe, c'est l'organe clé qui est chargé de jouer son rôle en matière du respect des garanties judiciaires. Nous le savons pertinemment. En Haïti, la problématique de la détention préventive prolongée est au cœur des grandes préoccupations et des vives préoccupations. Et là, je fais un appel à une conscience collective et je fais un appel particulièrement aux autorités judiciaires qui ont cette lourde responsabilité. Il est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse constater qu'il existe plus de 85% de cas de détention préventive prolongée. Ça démontre clairement que les garanties judiciaires, le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne sont pas respectés en Haïti. Si Sammy Cole a fait tout effort ça, gérer Timundo, occuper, il y a l'école, il va se bailler témoignage dans la côté, il est réussi à 100%. Et ça a fait une dérogation, si vous me permettez, moi, pour me partager mon message, mon témoignage, à regarder devant moi, Madame Ketli Julien, de IMED, qui était soutenu et qui permet, aujourd'hui, nous n'avons pas autant de Timundo qui est en détention dans ces écoles. Une famille n'est pas nécessairement ce que nous voyons. Nous devons apprendre à nous défaire d'un certain inconscient collectif qui nous taraude et qui vit encore en nous, caché, masqué, invisible et manifeste. Nos vieux démons vivent avec nous, en nous et parmi nous. Nous devons nous défaire de certaines pratiques sociales qui par trop nous rappellent les pratiques coloniales, les pratiques de l'esclavage. L'esclave n'est pas un homme ou une femme, un enfant, garçon ou fille, l'esclave n'a pas de famille, l'esclave n'a pas d'enfance. Je me parle à moi-même, je parle à vous, citoyens et citoyennes, qui sommes aujourd'hui en proie à l'insécurité. Nous devons construire autrement nos politiques publiques pour arriver à des fins et à des résultats autres. Nous devons être autrement intelligents, à éviter par tous les moyens à traîner sur le mot. Les vices et les tares, leurs fondements doivent être appréhendés dans un quadruple perspective. Systémique, historique, structurale et comportementale. Nous avons droit et ces enfants ont droit à une famille, à une vie autre. Ces enfants avaient droit à une famille, au bonheur, à une voie autre que celle qui se dessine devant eux et devant nous. Partant de paix et partant de guerre, nous nous devons de construire un projet, un rêve tout autre à ces enfants. De la rue en proie à la misère, en proie à l'extrême pauvreté. Je crois et je sais qu'il est nécessaire d'élaborer et de mettre en place une politique visant à la protection, la promotion, la garantie et la défense de la famille en Haïti. Comme nous connaissons jeudi à cette journée mondiale de l'enfance, c'est une journée qui est spéciale à tout le monde, toute catégorie de monde. Que surtout tout le monde net, tout le monde vulnérable, tout le monde qui est en famille, tout le monde qui est monoparental, tout le monde abandonné. Debout c'est tout le monde journée, ça, son journée qui est dédiée à eux-mêmes, son journée qui est spéciale à eux-mêmes. Donc, dans l'occasion de journée, ça, organiser une activité qui est aussi importante pour tout le monde, lui mettre tout le monde, faire sentir tout le monde, il a joui pleinement de droits qui sont réservés à eux-mêmes. Droit, surtout droit au loisir, parce que je n'étais pas capable de garder l'activité. Nous avons des gens qui ont performé, nous avons des capacités, des potentialités de ces gens. Donc, l'étape importante, si nous encadrer ces gens mieux dans le domaine que vous voulez. Et comme ça, nous allons gagner. Jean, nous avons l'habitude de dire, nous avons l'habitude de dire, ces gens sont à venir, c'est à venir pays. Non seulement ces gens sont à présent pays et à venir pays à tout. Nous faisons un pile effort pour nous capables d'aider ces gens à jouir ensemble de droits que nous avons. Mais l'effort, ça n'a pas suffi.
Parce qu'il faudrait que l'État s'est impliqué le plus dans la cause de Timounio pour permettre Timounio de jouer pleinement de droits qui sont réservés à eux-mêmes. Parce que nous connaissons Haïti ratifier la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1994. Le fait que nous ratifions la Convention, ça, nous avons ensemble obligations que nous devons respecter. Qui donc l'État haïtien doit respecter ensemble de droits, ça au privilège, ça au accordé ensemble à Timounio pour permettre aux juifs pleinement. L'école de la magistrature est créée par la Constitution haïtienne de 1987. Placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, elle participe à la formation de l'ensemble des professionnels qui concourent au service public de la justice. L'école est dirigée par un directeur général nommé par arrêté présidentiel sur proposition du CSPJ. Il est sans représentant légal et agit sous le contrôle du conseil d'administration. Dans l'accomplissement de sa tâche, il est assisté d'un directeur des études et d'un directeur administratif et financier. Son cadre légal est constitué du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 13 septembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la loi du 15 novembre 2007 relative à l'école de la magistrature et de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. L'EMA comprend quatre organes, dont le conseil d'administration à la tête duquel se trouve le président du CSPJ. Il définit la politique générale et les objectifs stratégiques de l'EMA. On assure le suivi et détermine ses grandes orientations. Le conseil de direction est l'organe exécutif en charge de la mise en œuvre des décisions adoptées et des orientations définies par le conseil d'administration. Il est composé du directeur général qui le préside, du directeur des études qui intervient dans l'élaboration et l'exécution des programmes académiques et du directeur administratif et financier appelé à gérer les ressources, le patrimoine et la comptabilité de l'école. Le conseil pédagogique, une structure, aide à la mise en œuvre des programmes, à l'élaboration des méthodes pédagogiques. Il est habilité à donner son avis concernant le choix des enseignants et des intervenants. L'article 38 de la loi statutaire le présente comme une structure de réflexion et de concertation chargée d'assister effectivement le directeur des études. Et en dernier lieu, nous avons le jury de concours qui est un organe très important pour nous à l'EMA. La démarche poursuivie par l'EMA pour s'organiser au niveau académique s'inscrit dans la perspective d'assurer de la transparence la sélection des élèves magistrats. Sa responsabilité statutaire est d'assurer la formation initiale et continue des magistrats et au besoin de tout le personnel judiciaire. Former des magistrats capables de rendre des décisions parfaitement motivés en droit et d'autres acteurs qui concourent au service public de la justice constituent la mission de l'école de la magistrature. A-t-on besoin de revenir sur le passé trop étroit de la pratique judiciaire en Haïti pour prouver l'importance de cette école de la magistrature. Distingués invités, au cours de ces 25 ans, l'EMA est au cœur du développement des savoirs, dont le savoir-faire et le savoir-être des acteurs judiciaires. Elle participe à la construction
et au renforcement de la capacité des 10 acteurs. Il faut admettre que l'école de la magistrature a permis d'améliorer le fonctionnement des magistrats et de rompre avec l'apprentissage sur le tas, de mettre en œuvre des savoirs nouveaux. Il y en a. L'éthique, la déontologie, le protocole s'impose à l'école de la magistrature. L'école est à l'avant-garde et au rang des institutions qui accompagnent véritablement le renforcement de l'état de droit en Haïti. Novembre 1995, novembre 2020, 25 ans, âge de la maturité pour répéter, maître juge, la directrice des études, Maggie Florestal, mais aussi âge de la profession agissante. Si la présence de tout ce monde à cette cérémonie prouve une fois de plus le temps fort de l'école, comment ne pas honorer les directeurs, qui ont géré l'institution et qui ont contribué à la mise en place de ces structures de base pour les formations initiales, continues et probatoires des acteurs judiciaires. Ils sont là. Lionel Bourguin Junior, Josué Pierre-Louis Bouillon, Willy Lubin qui est de l'autre côté, et j'en passe. Monsieur, je suis fier de vous, parce que là, si je suis pas devant ce grand public, c'est grâce à votre travail. Le flambeau est encore allumé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le contexte institutionnel actuel est marqué par un concept et une réalité à construire, à développer: l'état de droit. L'état de droit. Il faut problématiser la construction de cet état de droit et l'adjoindre à l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'EMA, dans sa mission, œuvre systématiquement au renforcement du savoir des magistrats pour renforcer l'état de droit et le devenir de l'état haïtien. Créé par la Constitution de 1987,
L'école de la magistrature EMA est appelée à perpétuer une culture de la formation et de l'éducation juridique continue dans notre système judiciaire qui doit être doté et composé d'acteurs performants qui maîtrisent les connaissances et les arcanes du métier de rendre justice. Cette journée commémorative, en plus de son aspect naturel festif, doit être l'occasion d'une réflexion sur l'EMA. Lorsqu'on sait que notre système judiciaire est décrié par rapport aux agissements de certains magistrats qui ne s'élèvent pas toujours à la dimension de leur métier et qui font le malheur de la justice de notre pays. De nombreuses études ont été conduites autant par des acteurs du système judiciaire, des organisations des droits de l'homme, nationaux et internationaux. De nombreux séminaires et conférences ont été réalisés qui ont mobilisé des énergies et de grands moyens. Que d'enthousiasme ont été soulevés par ces initiatives qui ont laissé augurer un avenir meilleur suite aux recommandations qui ont été faites et les actions posées. On retiendra que le diagnostic établissant un système judiciaire malade, faible, indigent, corrompu, qui exigeait une thérapie de choc et une gouvernance rigoureuse pour parvenir à sa régénération. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-on parler de progrès ou d'acquis? La création des institutions comme celle de l'école de la magistrature a-t-elle permis de changer les choses dans le sens de la demande de justice de 1986? Cette confiance des justiciables et les réformes devraient amener a-t-elle été acquise? Les faits sont là pour répondre à ces questions et ils sont tenaces, rudes, choquants et présentent un tableau sombre d'actions indignes. Le rapport des organisations des droits humains les égrènent comme une litanie sans fin. Les voix s'élèvent sans cesse pour dénoncer et crier à la justice. La suspicion plane sur la justice qui est décriée et encore très mal perçue dans la société. L'implication d'acteurs judiciaires dans les conflits terriens. La détention préventive prolongée, le monnayage des libertés, les scandales de disparition de corps de délit, la libération d'individus maintenant, alors maintes fois appréhendés par les mêmes faits délictuels, l'absentéisme des juges, l'incompétence, le non-respect des délais, une justice inéquitable, le dysfonctionnement de la justice, etc., constitue la liste des faits et des reproches non exhaustifs adressés constamment à notre justice. Certains disent même que la situation de justice du pays s'est aggravée depuis les demandes de réforme judiciaire en 1986. Mesdames et messieurs, honorables magistrats et défenseurs des droits, nous ne devons plus faire semblant. Nous devons regarder les choses en face, nous armer de courage pour dresser le bilan des réformes. Et ceci
sans complaisance. Nous devons pouvoir changer le cours des choses par une prise de conscience sincère et des actions résolues. C'est une responsabilité qui appartient autant à l'État, à travers le gouvernement, le pouvoir judiciaire, que les magistrats eux-mêmes, les avocats et les autres acteurs du système judiciaire, ainsi que les acteurs de la société civile. En ce jour marquant le 25e anniversaire de l'École nationale de la magistrature, je voudrais souligner que l'extraordinaire mission de l'EMA, qui est de former des magistrats qui, avec les yeux bandés, ont l'obligation de trancher en toute justice et équité, à la lumière du droit et de leur conscience. Des différents multiples et dont leur traitement doit contribuer à l'apaisement social et à la paix de la communauté. Il y a en effet une urgence nécessité d'accentuer davantage sur la formation éthique des magistrats. L'une des voies, j'en suis convaincu, qui pourrait permettre d'offrir une meilleure image à la justice en Haïti. Je crois aussi qu'il est important de renforcer la formation initiale proposée aux élèves magistrats. Dans un contexte de mutation du droit et de la mondialisation nécessitant un effort permanent d'adaptation. Aujourd'hui, les crimes transnationaux, le terrorisme et les crimes économiques et financiers constituent des phénomènes qui nécessitent une expertise plus ordinaire quant à leur appréciation et leur répression. L'école doit promouvoir chez les acteurs judiciaires la culture des valeurs fondamentales de justice qui sont l'intérêt commun, la dignité, l'intégrité, la loyauté, la discrétion, le courage, la sobriété, l'éthique et la compétence. Elle doit être capable de stimuler en tout temps chez les magistrats ces valeurs et de suivre leur performance. Je prends l'occasion de l'événement d'aujourd'hui pour saluer tous ceux qui ont contribué à mettre en place l'école, nationaux et partenaires internationaux. J'ai une pensée spéciale pour les anciens et actuels dirigeants, professeurs et personnels administratifs. Je sais qu'il n'a jamais été facile pour vous et je suis conscient que d'autres défis vous attendent. Soyez courageux et bons serviteurs publics. Qu'il me soit permis enfin de lancer un vibrant appel aux magistrats de la République en général, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les autres acteurs du système judiciaire sur le rôle fondamental qu'ils ont de collaborer à la production de la sécurité dans le pays. La conjoncture sécuritaire nous interpelle tous. Votre position d'acteur particulier et responsable au sein de l'État vous impose un devoir de travailler au maintien de la paix et de l'ordre public. Il faut renforcer la chaîne pénale, se mettre en ordre de bataille pour lutter contre l'insécurité caractérisée par le kidnapping, la délinquance, les armes à feu et les divers crimes commis de nos jours. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre que la police à elle seule assume ce rôle. J'en appelle donc à la responsabilité, au devoir de servir l'État conformément à notre engagement et le serment que vous avez prêté.
J'invite le ministre de la Justice que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie à renforcer le dialogue entre le CSPJ pour adresser les problèmes et trouver de commun accord les solutions nécessaires aux défis que nous impose l'insécurité conformément à la politique de sécurité du gouvernement. Il y a lieu pour le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif d'agir en parfaite harmonie pour le bien du service de justice et de l'ordre public. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère solennel, tant par l'actualité de l'objet en question que la présence significative de ces personnalités et décideurs de premier plan qui sont venus rendre effectif le programme de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exploitation, en signant ces protocoles. C'est devenu un lieu commun d'admettre que les entreprises haïtiennes évoluant dans le secteur agricole et celles tournées vers l'exportation éprouvent de sérieuses difficultés à accéder au crédit bancaire, notamment dans le compartiment des exigences de sûreté et de garantie réelle qui constitue un sérieux frein à l'investissement dans ces secteurs. La mise en place de ce fonds de garantie partielle de crédit à l'agriculture et à l'exportation en vue de mitiger les risques liés à ces secteurs a abouti après un long processus de réflexion pour trouver l'instrument idéal capable de lever les obstacles limitant l'accès au crédit formel des entreprises agricoles et celles tournées vers l'exportation. Le plus souvent, celles-ci ne disposent pas des garanties matérielles et financières exigées par les institutions de financement pour obtenir de gros montants de financement du crédit. Ce rationnement des crédits sollicités a un impact négatif sur les activités agricoles et d'exportation. En absence de ressources adaptées, de garanties solides et d'expertise pour l'instruction des dossiers, le financement adéquat des secteurs précités demeure encore problématique. En vue de répondre à la lancinante question des moyens et face aux besoins massifs de financement non couverts faute de garantie, le MEF, le ministère des Finances, a prévu de mobiliser des ressources à hauteur de 1 milliard de goudes. Ce montant servira à la mise en place du fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation, dont la pertinence le dispute à l'opportunité. Le premier protocole, le pacte de gouvernance économique et financière qui est signé avec le ministère des Finances, mais je dois dire que ça a été certainement un plaisir pour nous à la BRH de signer ce pacte de gouvernance. Parce que c'est une activité qui revêt une importance capitale. Cet accord entre les autorités fiscales et monétaires constitue un instrument indispensable qui doit permettre d'arriver à une certaine cohérence entre les actions du MEF dans le cadre de la politique budgétaire et celle de la Banque centrale à travers sa politique monétaire. En signant ce pacte de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de ne pas recourir à un financement qui dépasse ce qui est programmé dans le cadre de cet accord. Le financement qui est programmé totalise un montant de 39,7 milliards de goudes.
comparé à l'année dernière où le financement était de 43,9 milliards de gourdes, mais réalisé seulement à 43,2 milliards de gourdes. Aussi, une telle démarche permet à la BRH d'assurer une meilleure gestion de la liquidité créée par le financement monétaire et surtout de bien moduler sa politique monétaire. En effet, à travers ce cadre de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de programmer cette intervention en termes de bons du trésor, mais aussi de programmer ses dépenses de manière hebdomadaire et avec des réunions mensuelles entre le staff de la Banque centrale et le staff du ministère des Finances, de façon à faire le point sur l'état d'avancement de ce pacte de gouvernance. Il faut noter que ce pacte de gouvernance a été réalisé seulement à 42,8 milliards de gourdes, alors qu'il était signé pour 43,9 milliards de gourdes, ce qui fait une grande différence. Je dois aussi noter que près de 11 milliards de gourdes de ce financement est essentiellement dû à l'appréciation du taux de change. Donc, cette baisse de la valeur en gourdes a entraîné une augmentation des créances nettes de la Banque centrale sur l'État, d'où ce financement monétaire. Donc, ce qui veut dire, sans cette baisse, le financement monétaire serait probablement moindre. Le deuxième protocole qui a été signé, c'est le protocole d'accord pour la garantie des paiements du fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Il est important pour nous comprendre que c'est un écosystème de financement que nous avons mis en place. Et ça, c'est un élément fondamental dans l'écosystème. C'est vrai que Banque Centrale vini avec circulaire 113 là. Circulaire 113 là, qui permettent que n'importe qui entreprise qui a évolué dans le secteur de l'agriculture, quand je dis le secteur de l'agriculture, m'a parlé depuis l'heure que moun kap planté, moun kap stocké semences, moun kap stocké produits qui finit récolté, moun kap fait transport produit, moun kap distribué produit, moun kap utilisé produits pour transformer, pour qu'il y ait un produit qui est fini, tout le monde ça inclut dans la circulaire 113 là, qui permet que le monde ait un financement, il y a accès à un financement de 6% sur une durée très longue pour être capable de faire et pratiquer activité dans le domaine ça. Mais il y a un domaine que nous remarquons, malgré tout avantage que nous avons, si l'entreprise n'a pas vraiment crédit pour les entreprises n'ont pas augmenté dans le système. Là. Et c'est la raison ça qui fait que le ministère des Finances, avec Banque Centrale, vient mettre tête ensemble pour réunir, pour regarder pour qui ça que les entreprises n'ont pas gagné accès à financement. Nous ne voulons pas non plus que les gens tombent acheter dollars, dans dollars que Banque Centrale mettait sous ma, dans la banque, et puis pour prendre et revendre à l'extérieur. Il faut comprendre que le mois d'octobre, c'est un mois particulier que j'ai. Le mois d'octobre, c'est moi côté pratiquement toute entreprise a fait commande. Ok, ça faut nous comprendre ça. Donc, si bien que ça n'est pas étonnant que vous êtes capable de gagner plus de demandes que offre là. L'autre élément tout pour considérer, c'est que appréciation good là sont bon bagaille. Certainement, mais tout, il faut qu'on ait que chaque goutte qu'on y a là, il demande deux fois plus de dollars. Le goutte l'a passé de 120 gouttes à 60 gouttes, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si je gagne 120 gouttes longtemps, 120 gouttes là, c'est 1 dollar que je vais chercher pour lui. Je dis à si je gagne même 120 gouttes là, ce n'est pas 1 dollar que je cherche pour lui, c'est 2 dollars. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que demande dollar là augmenté même le que pas de problème et d'excès de demande qui vini en octobre là. Plus on avance sur les chemins du développement, plus il devient nécessaire de mettre en place des instruments financiers durables
capable d'ouvrir l'économie à beaucoup plus d'activités génératrices de croissance. Le premier, comme vient de l'évoquer le gouverneur de la Banque centrale, c'est le pacte de gouvernance économique et financière. Ce pacte consacre la volonté des autorités haïtiennes à rester cohérent avec ce qui a été inscrit dans le budget 2020-2021, adopté en Conseil des ministres il y a un peu plus d'un mois. Pour rappel, les ressources domestiques dans le budget représentent 52% de l'enveloppe globale. Et le gap sera financé à travers des dons, des emprunts, des bons du Trésor et du financement de la Banque centrale. Dans le budget 2020-2021, les autorités budgétaires et monétaires se sont entendues sur un niveau de financement Banque centrale de 39,7 milliards de gourdes, soit un niveau compatible avec le cadre macroéconomique. Pour l'exercice 19-20, donc, on a eu l'occasion de tester l'harmonisation entre les politiques budgétaires, monétaires et les régulations commerciales. Nous nous réjouissons de la parfaite collaboration entre le MEF, la BRH, le ministère du Commerce, qui a permis d'obtenir des résultats qui sont jusqu'à date satisfaisants. L'adoption du budget 2019-2020 en juin dernier a permis d'aboutir à un ralentissement du rythme de croissance mensuelle du financement BRH. De juin à septembre, le financement a couru de 7% en moyenne mensuelle contre 42% pour les mois précédents. Le pacte de gouvernance signé en juin a été respecté dans sa globalité, comme vient de le mentionner le gouverneur, sur 43,9 milliards de gourdes prévus. On en a dépensé 42,9 milliards de gourdes. Donc, pour l'exercice 2020-2021, donc on va travailler à rester dans les limites du financement inscrit dans le budget. Nous-mêmes paroissiens, les sœurs franciscaines d'Haïti, nous retrouvons dans le lit. Par une inspiration spirituelle, spontanée, nous recevons. Nous représentons pour nous un berger bienveillant et attentif. Nous venons rendre compte qu'il y a des modèles, des mondes. Ou pas capable de parler de yo. Yo vin tourner pour vous, yon icône. Yo vin tourner pour vous, yon l'autre Jésus-Christ sous terre. Parce que yo vini pour servir. Yo vini pour yo comprendre moun. Yo vini chercher à servir moun. Mais yo pas vini chercher pour vous servir yo, remè yo, comprendre yo. Moi-même, Luc Paul Desplat, le principal de l'Association franciscaine d'Haïti, 12 janvier 2010, tout bâtiment scolaire de nous était effondré. Élèves nous, enseignants nous, parents nous, étaient blessés, mourus, dispersés.
Eh bien, notre berger, notre curé, le Père Joseph Désiré, il recevoir nous dans le presbytère la Caille. Depuis 2010, il était hébergé nous pour 3 ans seulement. 3 ans. Nous pensons après 3 ans, bah, on a changé pour nous aller de l'autre côté. Et puis depuis le ça, bagaille vient pi mal. Eh bien, vous connaissez avec bonté, avec rembéni, jusqu'à nos jours, li kembe nous là. Jusqu'à nos jours, li kembe nous là. Donc, jodi a, ce n'est pas moi-même le principal de l'Union franciscaine d'Haïti, l'Union franciscaine de cette quête d'Assise. C'est tout personnel là, responsable, directeur, enseignant, élève, c'est tout qui profite du moment ça. Jour 20 novembre 2020, pour nous venir manifester reconnaissance nous à l'égard de notre curé, Père de Joseph de Désiré. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.